La variation 11, et c'est la première variation depuis le début qui est en mode majeur. Cette variation, c'est le repos. C'est le repos entre le monde réel, violent, le monde de la pluie et le monde d'un mystère. Et le passage, cette transition, c'est l'eau. Et si je toujours m'imagine dans l'eau et j'observe les algues. Les algues qui se bougent sans cesse dans toutes les directions. Tous ces mouvements-là, c'est les secondes de thème qui montent, qui descendent et la plus importance. Tous ces voix se migrent du haut vers bas. Une seule chose qui nous tient ici et qui nous demande de rester vigilants, attentif, en conscience, c'est une cloche. Il est là, il est là, il est là. C'est le difficile de le repérer ici, là. Il nous rappelle en temps en temps pour ne pas endormir, pour rester là, pour écouter, pour observer, pour continuer avec ce mouvement infini. Je suis fascinée ici par ce mouvement qui tourne tout le temps, qui tourne en ronde, dans les tierces, dans les six parallèles. Il se retrouve, il s'éloigne, il n'y a non plus pas accompagnement dans les mains. Les deux mains sont autonomes et c'est quand même une unité. On va simplement observer, observer ce mouvement dans l'eau, le mouvement des algues.